Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Meilleurs vœux pour 2022. On est toujours au mois de janvier, avec tous mes souhaits, surtout une année sans pandémie, une année paisible. On a entamé une réforme de nos moyens de communication par une liste de mailing. On est actuellement à peu près à 200 sociétaires qui se sont inscrits. Donc, j'attends et j'invite les gens qui ne se sont pas encore inscrits à s'inscrire pour que la communication soit fluide et rapide. Aujourd'hui, on a lancé notre site web. Donc, les échos sont très positifs. On est à votre écoute pour toutes vos remarques et vos suggestions. Je profite de ce webinaire pour remercier énormément notre ami, le docteur Zoher Souissi, qui participe activement à l'amélioration de nos moyens de communication. Un grand bonjour du Maroc à notre grand ami, le docteur Zoher Souissi. Voilà, donc on commence le webinaire et je laisse notre ami, le docteur Mourad Sami, qui est pneumologue libéral Al-Mohammadiyah, présenter notre oratrice. À toi la parole, cher ami. Merci, cher Abdelila. Donc, je suis très ravi aussi d'être parmi vous ce soir. Donc, l'association AFMAPAT est très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce premier webinaire de 2022. Alors, donc, ce webinaire de ce soir fait partie des trois événements prévus cette année dans le cadre de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Le thème de ce soir est la tétismographie des LCO, des principes physiologiques à la pratique. Et donc, on remercie professeur Nzha Ben Salah du CHU de la Mars à Tunis qui va nous parler de ce thème de soir. À vous la parole, madame. Merci, merci tout le monde, merci à vous, merci à Monsieur le Président, merci à la Société de franco-marocaine pour cette invitation. Donc, je remercie au passage mon amie Zouraïel qui a pensé à moi pour présenter et pour me donner ce rôle de présentatrice de physiologie. Donc voilà. Donc nous allons aborder ce jour deux explorations importantes, donc des explorations du poumon profond. Et donc là, nous allons dépasser les sentiers battus d'une spirométrie simple, d'un débit expiratoire de pointe simple. Donc on est dans les explorations profondes, on est dans les explorations complexes. C'est des explorations complexes. Pourquoi? Parce qu'elles requièrent un matériel déjà sophistiqué, qui fonctionnent avec des principes de la loi physique qui sont parfois complexes. Donc on va essayer de démystifier, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, monsieur, donc le principe de fonctionnement de ces appareils. Donc on commencera déjà par voilà. La tétismographie, c'est un des appareils les plus performants en matière d'exploration du poumon. Ça mesure avec précision tous les volumes, qu'ils soient volumes mobilisables ou non mobilisables. Ça mesure les résistances des voies aériennes, donc on va les voir ensemble, les RO. Et ça mesure aussi tout ce que les autres machines moins sophistiquées mesurent, entre autres les volumes mobilisables et les débits bronchiques, les débits expirés bronchiques. Alors, en fait, les plétismographes sont de deux types. Donc, il y a deux types de plétismographie. La plétismographie barométrique, qui mesure des pressions à l'intérieur d'une boîte hermétique, une boîte fermée et une boîte rigide. C'est une boîte qui garde un volume constant, mais qui fait varier sa pression. C'est une boîte qui est capable de mesurer avec beaucoup de précision les petites variations de volume. Et il y a la plétismographie débimétrique ou encore volumétrique, qui, elle, par contre, mesure les volumes à l'intérieur d'une boîte, donc une boîte qui est munie d'une ouverture, comme vous voyez ici sur le schéma ici. Donc, une boîte qui permet l'entrée et la sortie d'air, c'est une entrée régulée, et qui, par contre, va pouvoir mesurer uniquement les grandes variations de volume. Donc, c'est réellement une boîte qui est réservée
plutôt en médecine vétérinaire chez des animaux ayant une masse corporelle très importante. Donc nous, dans notre pratique courante, on est plus enclin à utiliser la plétismographie de type barométrique. Donc d'ailleurs, c'est la plétismographie la plus vendue dans le monde. Donc, je rappellerai que pour cette plétismographie, le principe fondamental sur lequel se base le fonctionnement de cet appareil, c'est le principe de Boyle-Mariotte, c'est la loi de Boyle-Mariotte. Donc, je dirais un tout petit mot sur cette loi. Donc, que stipule cette loi? Alors, si je vous donne un exemple d'une enceinte qui est rempli d'un volume, donc ici c'est un 2 litres, et avec une pression régnante qui est aux alentours de 1 atmosphère. Si on abaisse le piston et on réduit le volume de moitié, on va faire augmenter la pression au sein de cette enceinte, et donc on va multiplier la pression de 2. Et donc dans la première situation comme dans la deuxième situation, on a une constante, donc la pression fois le volume reste constant. Bien sûr, ceci n'est possible que si on est à une température constante et on est dans un espace fermé, un espace clos. Voilà. Alors, une plétismographie, ça ressemble à ça. Donc, c'est une cabine vitrée. Et donc, dedans, il y a une chaise qui est munie d'une porte qu'on peut verrouiller et déverrouiller, qui est facile, dont l'ouverture doit être facile. Donc, une fois fermée à l'intérieur de la cabine, la personne sera complètement isolée, donc au point que les patients à l'intérieur ne pourront pas entendre ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on communique d'ailleurs par un microphone quand on utilise cette cabine. Et à l'extérieur, donc à côté de la cabine, il y a un ordinateur de bord qui va permettre de piloter toutes les manœuvres depuis l'extérieur. Une cabine de plétismographie barométrique doit être munie de trois capteurs. Donc, un capteur, comme vous voyez ici en haut, un capteur au niveau de la bouche, ça va donner la pression à la bouche, un débitmètre, et dans ce cas particulier, c'est un pneumotachographe, donc un débitmètre qui va mesurer les débits, les variations de débit et les variations de volume, et puis un autre capteur de pression qui va mesurer la pression à l'intérieur de la cabine. Donc, les mouvements respiratoires vont créer, à chaque fois qu'il y a un mouvement respiratoire, ils vont créer des pressions différentes, ça veut dire pressurisation, dépressurisation, qui vont aller dans le sens inverse entre la cabine et l'intérieur du poumon, ça veut dire le poumon, ce qu'on appelle le volume gazeux thoracique. Donc, raison pour laquelle ce lien entre la plétismographie, donc l'extérieur du poumon et l'intérieur du poumon, vous allez voir qu'on est obligé de faire des allers-retours entre le poumon et la cabine de plétismographie pour pouvoir mesurer tous les volumes et déduire tous les volumes non mobilisables. Donc, avant de commencer, alors, du côté de du plétismographe, de la boîte. Il faut déjà allumer la boîte, donc il faut attendre un petit moment le temps de réchauffer. Il faut procéder à un étalonnage quotidien conformément aux instructions du fabricant. Donc le fabricant, des fois, c'est différent, ça dépend de la marque et du constructeur. Donc il y a des exigences du constructeur qu'il faudrait absolument suivre. Alors, il y a donc dans ce cadre-là, il y a une calibration du pneumotachographe. C'est une calibration usuelle, donc que tout le monde connaît. C'est une calibration par un étalonnage des débits grâce à une seringue de 3 litres. Donc, on essaie de calibrer les débits. Et puis, la calibration de la cabine, ça se passe comme ça. Donc, c'est une sorte de pompage, donc c'est un étalonnage qui va permettre une pressurisation, une dépressurisation à des volumes réguliers à travers le pneumotachographe, et ça se fait tous les jours. C'est une calibration qui doit être quotidienne. Donc de façon mensuelle, il faut aussi ne pas oublier de prendre des témoins biologiques de temps en temps. Il faudrait passer 2-3 patients, des sujets sains dont la capacité résiduelle fonctionnelle est connue, et il faudrait voir si
notre cabine est de bonne qualité et si la CRF reste constante à travers toutes les mesures. Donc, une calibration quotidienne, ce que je viens de vous montrer, et une calibration mensuelle sur témoins biologiques. Donc là, de temps en temps aussi, donc de façon périodique, il ne faut pas oublier de vérifier l'étanchéité de la machine parce que c'est déterminant, parce que si la machine perd son étanchéité, on ne peut plus appliquer la loi de Boyle-Mariotte qui exige que l'espace soit clos. Donc s'il y a une fuite, on ne pourra plus mesurer les volumes non mobilisables au sein de la cabine. Donc, côté patient, donc on a vu ce qui se passe, la calibration du côté cabine et pneumotachographe. Alors, du côté patient, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les précautions à prendre? Donc, il faut bien expliquer. Donc, il faut prendre son temps. Donc, bien expliquer le déroulement de l'épreuve. Expliquer aussi qu'il va être isolé, qu'il va être dans un espace clos, et qu'on ne va pas pouvoir l'entendre et il ne va pas pouvoir nous entendre, ne serait-ce que par le micro qui est appliqué aux côtés de l'ordinateur, de notre ordinateur de bord. Il faut aussi expliquer que l'épreuve doit se faire avec les mains sur les joues. Donc, il ne faut pas permettre le gonflement des joues, hein, ça va fausser les volumes, donc les mains doivent être appliquées sur les joues, le pince-nez donc pour éviter les fuites par le nez. Renseigner sur le fait que durant l'exécution de l'épreuve, on va par moment fermer l'obturateur, donc on va occlure le tube, donc il n'aura pas d'air, mais il faut le tranquilliser, c'est 2-3 secondes et après l'occlusion se lève. Et donc, il faut aussi lui expliquer qu'il y a une manœuvre d'allaitement à faire. Pour l'installation, il faudrait qu'il soit confortablement assis, il faut baisser le pneumotachographe, relever la chaise, il faut tout faire pour que le patient soit confortablement assis, donc sans devoir s'étirer le cou ou se tordre le thorax pour arriver à l'embout. Ça change la posture du thorax et ça fausse les résultats des volumes mesurés. Donc, à la fermeture de la porte, il faut attendre la stabilisation thermique. Environ, c'est 60 à 80 secondes, 90 secondes. Donc, c'est l'opérateur aussi, c'est le constructeur qui va aussi exiger ça. Donc, ça dépendra de chaque machine. Et puis, on va démarrer. Une fois le patient, il est connecté avec le pneumotachographe, on va le laisser respirer tranquillement pendant 3-10 cycles jusqu'à ce que le volume courant se stabilise. Après, on actionne l'obturateur qui va occlure l'air pendant 2 à 3 secondes. Et donc, là, à partir de ce point-là, on va demander au patient d'haleter. Alors, il faut qu'il allaite pas n'importe comment, avec un cycle très précis, c'est entre 50 et 60 cycles par minute. Donc, des fois, le patient ne comprend pas très bien, donc on demande d'accélérer ou décélérer, mais on n'arrive pas à trouver la bonne fréquence. Donc, on peut s'aider, moi je le fais, hein. Donc on allaite avec le patient, je leur dis c'est 2-3 secondes, ça ne me fera pas de mal, d'haleter avec le patient et d'imposer le rythme, où on peut aussi utiliser un métronome. Donc, je fais... Et le patient suit le rythme imposé sans aucun problème. Donc, après, quand l'obturateur est fermé, c'est 2-3 secondes, comme j'ai dit, donc l'occlusion est levée. Donc là, le flux d'air va pouvoir passer et on demandera au patient, immédiatement à l'ouverture de l'occlusion, de réaliser une manœuvre de volume résiduel, de volume de réserve expiratoire, de VRE, ensuite une grande capacité vitale lente. Cette manœuvre, il faut la répéter 3 à 6 fois et il faut une différence de moins 5% de la capacité vitale lente pour que ce soit une mesure fiable et une mesure qu'on appellera reproductible. Donc, voici ce qui se passe au moment de la prise de la mesure. Donc, ici, vous voyez un volume courant, donc on le laisse 5-6 secondes de cycle respiratoire. Là, hop, l'obturateur est actionné, il n'y a plus de flux, mais on allaite. Donc en fait, il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie d'air, il y a juste un mouvement de dilater le gaz et de comprimer le gaz. Mais sans pour autant avoir un réel flux entrant ou sortant. Et après,
Quand on arrêtera, on lèvera l'occlusion, on va faire une manœuvre de VRE suivie d'une manœuvre de CVL. Donc, voici en réalité ce qui se passe. Donc, grâce à ces quelques secondes d'allaitement autour d'un tube fermé, voici ce qui se passe. Donc, en fait, plusieurs variables pourraient être mesurées. Donc, ce allaitement, on va faire varier la pression dans le poumon, mais aussi dans la boîte et dans un sens contraire. Donc, ici, lors d'un effort inspiratoire, on va dilater le gaz. C'est des quelques millilitres, hein, c'est pas beaucoup, c'est un petit delta V, donc c'est parce qu'il n'y a pas de flux, hein, là le flux est arrêté. Donc on dilate le gaz, on dilate, donc on dépressurise à l'intérieur du poumon et on pressurise à l'extérieur du poumon, donc dans la boîte. Et c'est exactement le phénomène contraire quand on est à un effort expiratoire. Donc, cette pressurisation et cette dépressurisation de ces compartiments cabine d'un côté et alvéole de l'autre va être très utile parce qu'on va justement se baser sur la loi de la conservation, de la loi de Boyle-Mariotte, et ainsi on pourra être capable de... On va pouvoir recueillir en général une série de 3 à 5 courbes qui relient, donc c'est une relation, c'est des courbes qui vont établir une relation entre la pression buccale et le volume du plétissement grave. Donc ces courbes-là, nous devons obligatoirement vérifier visuellement qu'elles sont parallèles et que si on les superpose, ça devient une seule ligne comme c'est visible ici sur ce schéma. Bien sûr, il faudrait ne pas oublier d'éliminer les mauvaises acquisitions. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, parce que les acquisitions des droites un peu bizarres, etc., rondes ou des formes en vert de terre, etc., ça peut se voir lors des acquisitions. Il faut absolument les enlever, hein. Il faut garder uniquement les droites qui sont parallèles. Voilà. Alors, ces droites vont bien sûr aider à retrouver la pente qui va lier les variations de pression à la variation de volume qui existe au niveau de notre thorax. Et donc, ça donne ça. Donc, ces droites donc, établiront cette relation entre pression bouche et en fonction des pressions au niveau de la cabine de plétismographie. Donc, une fois que notre appareil a pu tracer sa courbe, on lui donnera n'importe quelle mesure de variation de pression. Il va deviner exactement la variation de volume qui a été changée à l'intérieur de la cabine de façon très, très facile. Voilà. Donc, côté patient, là, c'était la variation des pressions à l'intérieur de la cabine. Maintenant, le patient. Alors, le patient, comme je vous ai dit, la pressurisation à l'extérieur veut dire dépressurisation à l'intérieur. Et pressurisation à l'intérieur veut dire dépressurisation à l'extérieur. Ça va en sens inverse. Donc, au côté patient, donc déjà, il y a une terminologie qu'il faudrait voir et comprendre. C'est le volume, le VGT, c'est quoi? Le VGT, c'est le volume gazeux thoracique. Donc, c'est le volume gazeux du poumon après avoir actionné l'obturateur. Donc, c'est variable, mais c'est à peu près. Donc, comme nous, à la fermeture, on ferme l'obturateur à la CRF, donc la VGT n'est autre que la CRF. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est deux noms qui veulent dire la même chose. Donc ici, on va établir un équilibre, donc un équilibre mathématique. Donc, on voit ici la position de la CRF, donc le volume fois la pression alvéolaire au début, n'est autre que le volume, le nouveau volume, c'est-à-dire la CRF augmentée de la petite variation de volume, fois la nouvelle pression, c'est la pression alvéolaire diminuée de la petite delta P. Alors, après des simplifications, donc je vous ai épargné toutes les simplifications et les calculs complexes, donc on arrive à mesurer la CRF. La CRF n'est autre que la pression alvéolaire fois la variation de volume sur la variation de pression. La pression alvéolaire, c'est très facile à mesurer. On a un capteur à la bouche, comme je vous ai dit depuis le début, donc il n'y a aucun problème. Et la delta P,
Pareil, on a un capteur à l'intérieur du plétismographe, il n'y a aucun problème, c'est mesurable. Alors le problème, c'est la delta V. Donc la delta V reste notre inconnue, mais pas pour l'endant, puisque nous avons cette courbe-là comme qui est déjà tracée. Donc là, c'est un retour à la courbe, donc un retour à la plétismo, à la boîte. Donc là, c'est très facile. On a pour n'importe quelle variation de pression, la variation de volume. Donc là, on repêche l'inconnu à partir de la courbe qui a été tracée, la courbe du plétismographe. Donc là, on peut simplement calculer la CRF avec toute la simplicité. Une fois la CRF connue, c'est fini, il n'y a plus de mystère pour le poumon entier, donc on a tous les volumes peuvent être mesurés. Donc tous les volumes mobilisables, c'est très facile, donc on a juste besoin d'un débitmètre, donc c'est très facile. Donc une fois on a la CRF, on peut deviner le VRE, on peut deviner le VR, on devine la CPT et tout le reste du poumon. Voilà. Donc, quelques critiques quand même pour la plétismographie. Donc, la plétismographie, c'est un moyen, certes, extraordinaire, qui a l'avantage de mesurer les gaz intrapulmonaires en totalité, tout le gaz. Donc, il est supérieur par rapport aux méthodes utilisant des traceurs, que ce soit le rinçage à l'azote ou la dilution à l'hélium. Donc, qui, eux, par contre, peuvent sous-estimer la capacité pulmonaire totale. Donc, quand on utilise un plétismographe, le gold standard, c'est le meilleur moyen pour mesurer la capacité pulmonaire totale. La calibration précise des différents transducteurs est nécessaire. Et là, ça pose un problème parce que c'est des appareils quand même assez fragiles. Ils sont un peu coûteux. Il y a des appareils, il y a des pièces de rechange qu'il faut tout le temps renouveler, etc. Donc, c'est un peu critique par rapport à. Ben, je suis un peu critique par rapport à ça. Alors, le coût, justement, donc c'est un peu cher. La durée de l'examen, c'est très chronophage. Hein. Une plétismographie, si on veut la faire et on veut la faire bien, avec une pause en pré-bêta 2 et en post-bêta 2, ce qui est obligatoire maintenant avec les nouvelles recommandations de la thèse. Donc, c'est une durée de 30 à 40 minutes, ce qui est beaucoup quand même. Hein. Donc, c'est aussi un examen complexe, qui nécessite une technicité et un savoir-faire. Et l'intervention humaine est importante parce qu'il faut choisir les bonnes courbes. Il ne faut pas garder n'importe quelle courbe parce que c'est un sujet, on peut considérer à tort des déficits ventilatoires, c'est-à-dire on peut interpréter des résultats de façon complètement erronée. En raison d'une mauvaise technicité de la plétismographie. Il y a autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas négliger aussi, un excès de gaz abdominal. Un gaz abdominal, quand on est à l'intérieur de la cabine, la cabine mesure tous les volumes gazeux, y compris les gaz digestifs. Donc, si on est distendu, il vaut mieux ne pas aller se faire examiner, enfin se faire explorer par une méthode plétismographique. Donc, les gaz abdominaux peuvent surestimer le volume du poumon et la CPT. Voilà, c'était mes critiques. Donc, ici, je vais vous montrer deux exemples de chez nous, des patients qui ont été explorés chez nous. Donc ici, vous avez les acquisitions, les différentes acquisitions, des droites parallèles, très jolies, très belles. Aussi pareil ici. Et là, c'était des droites, enfin des acquisitions qu'il fallait supprimer. Alors, notre ordinateur, il ne faut pas se fier complètement aux ordinateurs. Ils sont automatiques, oui, mais ils ont laissé ces courbes. Et là, si je vous montre la valeur de la CRF avec ces acquisitions-là, c'est 3,98 litres. Après correction, c'est 4,24 litres. Donc, on les a supprimés. Donc, vous voyez, ils sont plus là. On les a supprimés. Et donc, la CRF passe à 4,24 litres. Donc, vous voyez l'importance du choix et de l'intervention humaine. Il faut garder un œil critique et choisir les bonnes courbes pour avoir une évaluation de qualité.
Alors, pour interpréter les résultats, donc suite à la plétismographie, donc les résultats, ils sont traduits en pourcentage par rapport aux valeurs de référence. Et ces valeurs de référence dépendent de la taille, de l'âge, de la population étudiée, etc. Alors, avant, c'était une vraie polémique. Quelle équation de référence choisir? Donc là, depuis 2012, on a complètement soufflé parce que nous, tout le monde, nord-africain, caucasien, africain, asiatique, on est tous unis par une équation unique. C'est une équation universelle. Donc, on utilise les équations de référence du GLI qui ont été lancées en 2012. Donc, c'est aussi encore ici, là, ils apparaissent aussi dans les nouvelles recommandations de l'ATS-ERS qui est sortie tout récemment, en décembre 2021. Donc, la recommandation, c'est d'utiliser les équations de référence du GLI de 2012. Voilà. Alors, comment exprimer ces résultats? Ces résultats doivent être exprimés en dérivation standard, et ces dérivations standard, on peut aussi les exprimer autrement par le Z-score. Le Z-score, c'est quoi? C'est un outil statistique qui est puissant et qui permet d'évaluer le degré d'écartement de la valeur mesurée par rapport à la limite inférieure ou à la limite supérieure qui est établie sur une population saine. Alors, la valeur du Z-score, c'est 1,64. Hein, la valeur du Z-score, c'est 1,64. Et c'est exprimé comme ça. Donc, un rapport doit être exprimé comme ceci. Donc, ici, nous avons les valeurs ici. Ici, vous avez les valeurs mesurées. Ici, vous avez les valeurs, la limite inférieure de la normale par là, la limite supérieure de la normale par là. La valeur prédite, c'est-à-dire la valeur théorique, le pourcentage par rapport à la valeur prédite et surtout, là, le Z-score. Donc, le Z-score, attendez que j'éloigne. Donc, le Z-score qui est représenté ici par ce qu'on appelle un pictogramme. Donc, la ligne verte, c'est quoi la ligne verte? C'est la ligne qui représente la valeur moyenne, la valeur théorique, hein, prédite. Et puis là, la limite grise, c'est la limite inférieure de la normale. Et là, c'est la limite supérieure de la normale. Et vous avez la position de notre patient. Donc, notre patient, il est là, en point noir ici. Et donc, on va mesurer de combien il s'écarte de la ligne verte, de la ligne moyenne, de la valeur normale. Dans ce cas, il s'écarte de 2,35, donc il est dans la zone supranormale, il est un peu distendu d'ailleurs, donc on a une CRF, il est distendu ici, donc comme vous voyez, 3,98. Et puis ici, vous avez une valeur de la capacité vitale avec un Z-score de moins 3,15, donc il est en dessous de la valeur moyenne de moins 3,15. Hein. Donc, voilà. Donc, on situe comme ça, voilà. C'est tous les points. Ça représente en fait l'éloignement de notre valeur par rapport à la ligne de la valeur prédite. Alors, le Z-score prend aussi beaucoup d'importance aussi dans les nouvelles recommandations de l'ATS. Donc, ils sont là même pour évaluer la sévérité du déficit et la classification en sévère ou modérée ou légère va aussi se faire en fonction du Z-score. Donc, on n'est plus à des pourcentages, on n'est plus à des valeurs figées, on est à des scores d'éloignement ou de rapprochement par rapport à la moyenne. Donc, il y a aussi des nouveautés par rapport à la classification. Les recommandations donc, ramènent du nouveau. Donc, il y a une nouvelle classe qui apparaît ici. C'est la classe de la restriction complexe. Donc, c'est quand la CPT est diminuée aux dépens d'un volume résiduel qui est augmenté. Donc ici, on a l'impression qu'il y a la distension thoracique avec une restriction, avec
un rapport de TIFNO qui est diminué, un VMS sur une capacité vitale forcée qui est diminuée. Donc ça, c'est une nouvelle classe qui apparaît dans la classification des troubles, des déficits en volume pulmonaire. Hein. Donc il y a aussi une nouvelle entité large lynx, ça veut dire un poumon large, c'est un poumon qui est tout augmenté de taille, qui est augmenté dans des proportions harmonieuses. Donc il s'agit d'un variant qui est supranormal, qui reste tout à fait physiologique et acceptable. Alors, encore des nouveautés, c'est vrai que c'est j'en parle ici, mais c'est peut-être pas l'objet de cet exposé, mais j'en parle parce que c'est des choses quand même très importantes. Donc, pour le rapport de TIFNO, parce qu'il y a des gens qui considèrent que le VMS sur la capacité vitale forcée représente un peu le TIFNO, d'autres pensent que c'est plutôt le VMS sur la capacité vitale lente qu'il faudrait considérer. Maintenant, c'est tranché. C'est la capacité vitale forcée. Donc, il faut considérer le rapport VMS sur capacité vitale forcée pour considérer l'obstruction bronchique. Et puis, une autre nouveauté, c'est la réversibilité. Maintenant, c'est fini. Donc, on avait considéré au départ que la réversibilité se mesure quand on a plus de 12% par rapport à la valeur prédite et plus de 200 millilitres, que ce soit en VMS ou en capacité vitale forcée. Maintenant, c'est fini. C'est une augmentation toute simple de 10% en valeur théorique. On ne mentionne pas le bronchodilatateur utilisé, on ne mentionne pas de combien de millilitres augmente la fonction respiratoire, c'est juste une valeur de 10% par rapport à la valeur prédite théorique. Et c'est valable pour le VMS et la capacité vitale forcée. Il y a d'autres nouveautés, donc je ne vais pas trop m'étaler ici. Les nouveautés dans les nouvelles recommandations de l'ATS-ERS, c'est de nouveaux scores. Donc, ils ont inventé de nouveaux scores, des scores qui sont plus adaptés aux enfants et aux adolescents. Donc, c'est des scores de changement, qu'on appelle score de changement conditionnel, donc, que je qualifierais d'une évaluation de la vitesse de changement de la fonction respiratoire chez un enfant ou un adolescent. C'est une vitesse de changement. Ça veut dire qu'il prend deux valeurs différentes qui ont été mesurées à des intervalles d'âge différents et qui établissent un score pour voir que si c'est comme une courbe de croissance en fait, mais qui concerne plutôt la fonction respiratoire. Donc ça, c'est un nouveau score qu'il faudrait considérer. Il y a aussi un nouveau score, c'est le VEMS-Q, donc c'est pour les adultes. Ils ont une meilleure valeur prédictive de complications et de mortalité. Donc, il y a beaucoup de nouveautés dans les nouvelles recommandations de l'ATS. Il faut jeter un œil parce que ça va impacter le quotidien des pneumologues et des physiologistes. Voilà, donc j'ai terminé avec la plétismographie. Je vais juste dire un petit mot sur la résistance avant de passer parce que la résistance est aussi un moyen intéressant que nous pouvons utiliser si on a la chance d'avoir une cabine de plétismographie. Et donc, la résistance, je commencerai par rappeler une vieille loi de la physique, donc la loi de Poiseuil. Alors, que stipule cette loi? Cette loi dit que si on a un tube, une structure tubulaire, et si on a une variation de pression de part et d'autre de ce tube, on va voir un flux. Et ce flux va être, dépendra de la résistance de ce tube. Donc nous, dans les poumons, on a, chez nous, c'est pareil, les branches, c'est aussi assimilable à un vrai tube, donc un tube qui conduit l'air depuis les alvéoles jusqu'à la bouche et réciproquement, donc de la bouche vers les alvéoles quand on change d'une inspiration à une expiration. Donc notre effort inspiratoire-expiratoire va faire varier une pression et donc la loi de Poiseuil va tout à fait pouvoir être appliquée à ce système. Donc à l'inspiration comme à l'expiration, on va faire une variation de pression qui va faire varier un débit. Et la résistance dans tout ça, c'est la différence de pression sur le débit, comme c'est schématisé ici. Alors, comment ça marche? Donc, grâce à la machine, donc grâce à la cabine hermétique, là encore, il est possible d'établir à chaque cycle respiratoire
un lien entre le débit, ici, et le volume, par là. Donc, la pente, ici, la pente, n'est autre que la résistance. Si, en plus de faire respirer le patient, on fait une manœuvre d'allaitement. Si on fait une manœuvre d'allaitement contre un obturateur fermé, exactement comme on a fait avec la VGT, on va pouvoir apporter encore une meilleure calibration de la cabine du plétismographe et on affinera encore plus le résultat et on apportera plus de précision par rapport à la mesure de la résistance. Donc, il y a deux moyens finalement. On peut mesurer la résistance soit directement, soit sans allaitement ou en faisant halter. Et la précision est plus importante et les résultats sont plus affinés quand il y a un allaitement. Tout simplement, si on n'a pas, si par exemple on est en face d'un enfant qui coopère mal, ou un sujet âgé qui n'arrive pas à halter, il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas d'allaitement, la calibration initiale de la cabine va pouvoir suffire pour pouvoir avoir un résultat qui est acceptable. Mais de toutes les façons, quelle que soit la méthode utilisée, donc une résistance, une mesure de résistance avec allaitement ou sans allaitement, il faut mentionner dans le rapport la méthode utilisée. Alors, pour la mesure des résistances en respiration calme, je vais juste dire un petit mot. Donc, après avoir installé le patient, après avoir pris les mêmes précautions dont on a parlé tout à l'heure, donc après avoir, bien sûr, il faut que la cabine soit fermée pour pouvoir aussi appliquer la loi de Boyle et Marriott. Donc, il faut attendre la stabilisation thermique. Il faut imposer un rythme, mais ici, un peu différent. Donc, ce n'est pas un allaitement de 50 à 60 cycles par minute, c'est un allaitement de 20 à 24 cycles par minute. Donc, c'est ce rythme-là qui doit être tenu. Donc, après, l'opérateur, il faut absolument supprimer les courbes de mauvaise qualité, pareil. Donc, il faut savoir choisir les bonnes courbes. Donc, ici, il y a une compensation humaine dans l'interprétation des données. Voilà. Donc, il faut choisir, garder en moyenne 4 à 5 courbes reproductibles. Alors, les résultats. Les résistances, les RO, la normale, c'est 0,22 kPa par litre par seconde à peu près. Il y a une notion de conductance spécifique qui est en fait plus spécifique parce que c'est la résistance, c'est l'inverse de la résistance, pardon. Et la résistance spécifique, c'est la résistance rapportée au VGT, à la CRF, au volume intrathoracique. Donc, on peut appliquer des tests de réversibilité et voir la résistance avant bêta-2 et après bêta-2, c'est possible. Il n'y a pas de recommandation précise sur ça, mais on admet qu'une variation de 40% par rapport à la valeur initiale est en faveur de la réversibilité. Et donc, c'est indiqué quand la collaboration du patient est incertaine, quand le patient n'arrive pas à halter, donc un enfant, un sujet âgé, ou dans certains cas, quand on a une expertise médico-légale, pardon. On peut aussi faire respirer tranquillement un patient et donc on peut savoir si réellement il y a de l'obstruction ou pas. Et autre chose, il faut aussi savoir que cette mesure n'explore que les voies aériennes de gros calibre. Ça veut dire que ça explore la trachée, les voies extrathoraciques, les voies aériennes supérieures, les voies aériennes intrathoraciques dans sa partie proximale. Et pas les petites voies aériennes et pas les moyennes, les voies aériennes de moyen calibre. C'est uniquement la partie proximale qui est explorée. Alors, voici quelques aspects de courbes recueillis lors de la mesure des acquisitions des résistances. Donc, vous avez en point A, vous avez une courbe de résistance chez un sujet normal. Donc, c'est à peu près rectiligne. Alors, autre chose, je ne vous ai pas dit que plus la pente est aiguë, plus la résistance est importante. Donc, visuellement déjà, on peut deviner si on a une résistance ou pas. Et donc là, il n'y a pas une grande résistance. Ici, il y a de l'obstruction. Donc, elle commence à s'incliner, la courbe. Là, quand il y a une boucle comme ça, ce qu'on appellera un aspect en raquette,
c'est qu'il y a de la distension thoracique et probablement de l'emphysème associé. Ici, c'est une courbe de résistance qui trace un peu les obstructions des voies aériennes supérieures quand il y a une tumeur extra-thoracique au niveau de la trachée, par exemple. Donc là, je vais aborder le troisième volet, la diffusion. La diffusion alvéolo-capillaire. Donc, on va parler de la quantification des moyens de mesure. Donc, alors pour introduire justement, parce que là, je passe de la mécanique ventilatoire au poumon profond. Donc, le poumon profond, ce qu'on sait, c'est que le but de la respiration, in fine, c'est quoi? C'est se charger en oxygène et éliminer le gaz carbonique, donc le CO2 produit. Donc, cet échange se produit au niveau de la paroi alvéolaire. Et plusieurs pathologies altèrent cette membrane d'échange. Donc, il est utile de l'explorer. Il faut savoir que l'étendue de la surface de la paroi alvéolaire est de l'ordre de 80 à 100 mètres carrés à peu près de surface. L'épaisseur de cette membrane, il fait à peu près 0,5 micromètres, à peu près. Il y a un autre déterminant qui va aussi influencer énormément la diffusion, c'est la concentration du gaz. Donc, la diffusion sera d'autant plus intense que les deux gaz sont à des concentrations très différentes. Ça veut dire que quand il y a une grande concentration dans les alvéoles, par exemple, une faible concentration de gaz dans le sang capillaire, donc ça crée un gradient, c'est comme un moteur de diffusion qui va pousser le gaz à franchir la barrière alvéolo-capillaire. Donc il y a plus il y a une concentration importante dans les alvéoles, plus d'un gaz, plus ce gaz arrive, diffusera plus intensément. Et donc là, pour toutes ces raisons-là, le CO paraît le meilleur gaz qui puisse explorer la finesse de ces parois alvéolo-capillaires. Pourquoi? Parce que d'abord, il a une très grande affinité avec l'hémoglobine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un CO qui passe, il est intégralement et immédiatement complexé à l'hémoglobine. Donc, c'est comme si l'hémoglobine essuie tous les CO qui passent à l'intérieur du sang. Et donc, à un moment, quand on regarde et on mesure la concentration du CO et ce qu'on appellera plutôt la pression partielle du CO dans le sang, c'est la concentration du CO dissous, on la trouvera nulle parce que le CO est entièrement pris en charge par l'hémoglobine, il est complexé, c'est comme s'il est tamponné. Donc, la concentration du CO à l'intérieur du capillaire sera nulle pendant tout le passage et le CO sera beaucoup plus concentré au niveau des alvéoles. Bien sûr, parce que le CO, c'est le gaz que nous allons inhaler lors des explorations. Donc, quand on inhale du CO, tout le CO ici qui passera va être complexé avec l'hémoglobine et va être tamponné, entre guillemets. Donc partons de ce principe-là. On va essayer d'expliquer ce qui se passe et comment se passe la manœuvre de mesure de la capacité de diffusion du CO. Donc là, on va commencer. La méthode, c'est en fait de connecter le patient ici, de connecter le patient à un débitmètre. On va lui demander d'expirer, inspirer tranquillement jusqu'à stabilisation du volume. Donc ça fait... Après, je vide complètement jusqu'au VR. Je n'ai plus rien, je n'ai plus de gaz, je suis à 0% de la capacité vitale. Et hop, là, l'inspiration va déclencher l'ouverture d'un sac. Et ce sac, que contient ce sac? C'est un mélange gazeux. Donc, je vais inspirer un mélange gazeux jusqu'à l'inspiration totale et maximale, jusqu'à la CPT. Alors, que contient ce mélange gazeux? Il contient du zéro. Du CO à 0,3%, de l'hélium, donc l'hélium servira pour tracer et mesurer le volume alvéolaire,
et bien sûr de l'oxygène. Donc le CO, il faut qu'il soit à 0,3% et pas plus que ça, parce que il faut quand même savoir, il ne faut pas oublier que le CO est un poison et que les intoxications au CO, ça existe. Donc après, quand on a atteint la CPT, donc là on a pris, on a inspiré, on a fait une capacité vitale entière avec un mélange gazeux. On se tient à la capacité pulmonaire totale pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 secondes en apnée. Et après, hop, il y a un obturateur qui va s'ouvrir. Et là, ouverture de la valve. Et il faut une expiration immédiate, profonde et maximale. Et rapide surtout. Il faut que ce soit très rapide. Et donc, que fait l'appareil ? L'appareil, surtout le gaz expiré, il va rejeter le premier gaz. Pourquoi il va rejeter le premier gaz ? Parce que c'est du gaz qui est contenu dans les voies aériennes supérieures. C'est le gaz qui est contenu dans l'espace mort et qui n'a pas servi à l'échange gazeux. Donc, on ne l'explorera pas, on va le jeter. Et on va faire notre échantillonnage sur le deuxième jet d'air qui va venir. Le deuxième jet, c'est de l'air qui vient à partir des alvéoles. Et donc, c'est le gaz qui a déjà échangé avec le sang capillaire. Alors, généralement, on rince, donc on jette, c'est ce qu'on appelle le washout, c'est le volume de rinçage de l'espace mort. On jette 750 ml à 1 litre à peu près et on fait un échantillonnage. On prend pour analyser le gaz, on prend à peu près 500 à 1000 millilitres de gaz alvéolaire. Alors, comment on va mesurer cette diffusion ? On va supposer que tout au long de cette capacité, de ces 10 secondes, il s'est produit une diffusion alvéolo-capillaire. Donc, connaissant un peu la quantité de CO qui a été inspirée, on a eu la diffusion pendant toute cette période-là, et puis je vais expirer, je vais savoir, je vais connaître la quantité de CO qui est sortie. Donc, j'ai la quantité inspirée et j'ai la quantité expirée. La différence, c'est ce qui a diffusé dans l'espace capillaire. Donc, ainsi, je peux deviner la capacité de diffusion du CO. Donc, notre appareil pourra mesurer la quantité de CO qui a diffusé. Donc, en fait, cette quantité de CO diffusée va explorer de façon grossière, donc pas très très précise, de façon grossière, les zones d'échange. Donc la DLCO fournit une estimation de tout l'arbre branchique et des alvéoles, mais ce qui est encore plus précis, c'est le rapport de la DLCO sur le volume alvéolaire. C'est là où ça devient plus spécifique, donc c'est ce qu'on appellera le KCO, c'est le meilleur index des propriétés de la diffusion de la membrane alvéolo-capillaire. Donc, quelques petits mots pour la nomenclature, parce que là, il y a des fois c'est DLCO, des fois c'est KCO, des fois c'est TLCO. Donc voilà, je vous donne la nomenclature. La DLCO, c'est la différence, c'est le débit d'absorption du CO, donc de diffusion du CO. Donc c'est le CO inspiré moins le CO expiré sur les pressions alvéolaires. Et donc là, la DLCO, la nomination de DLCO, plutôt une nomination américaine. La TLCO est plus utilisée en Europe. Ce n'est pas la règle, il y a toujours des exceptions. Hein. Donc, il y a des gens qui utilisent encore la DLCO, TLCO. Et le KCO, par contre, c'est la DLCO sur le volume alvéolaire. Donc, le KCO reflète l'efficacité d'une unité pulmonaire. Alors, l'unité utilisée, la DLCO, les Américains utilisent le millilitre par minute par millimètre de mercure et la TLCO, donc les Européens utilisent plutôt millimol par minute par kilopascal. C'est des unités différentes, mais qui veut dire absolument la même chose. Voilà. Donc là, je vais vous parler de quelques situations particulières parce que la DLCO, c'est une mesure très sensible. Pas très spécifique et parfois variable, pour des raisons qui ne se rapportent pas vraiment à la finesse et à la bonne qualité de l'échangeur de la membrane alvéolo-capillaire.
Donc, les situations particulières sont les suivantes. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'ai mis juste les situations les plus fréquentes quand même. Donc, à chaque fois qu'il y a une augmentation de débit, il y a une exposition de globules rouges, plus de globules rouges au niveau des alvéoles. Donc, tant qu'il y a des globules rouges au contact des alvéoles, il y a une captation plus intense de CO. Donc, si on a une augmentation du débit cardiaque, on a une sorte de turgescence vasculaire qui va capter plus de CO. Hein, donc, mais c'est des situations qui sont éphémères, parce qu'à l'arrêt, par exemple, d'un effort, on va retrouver notre diffusion normale. Donc, il ne faut pas se leurrer, il ne faut, faut pas se dire « oui, la diffusion a augmenté, j'ai une meilleure diffusion, mon patient va bien ». Non, le patient, quand il fait un effort, il fait sa mesure de DLCO, il faut absolument s'attendre à ce que la DLCO soit augmentée. Donc, dans les situations de chaleur extrême, dans les chaleurs externes, quand il fait chaud, il y a une vasodilatation, donc il y a plus de turgescence vasculaire. En postprandial aussi, c'est des situations classiques qui peuvent aussi faire augmenter la DLCO. La situation de l'obésité, donc un obèse, parfois, il ne remplit pas très bien ses poumons, donc il fait un petit volume alvéolaire quant à l'inspiration. Donc, il y a des petits espaces atélectasiés, donc il n'expose pas tous ses alvéoles, mais les capillaires sont là pour capter plus de CO. Donc, il y a un problème entre la perfusion et la ventilation. Donc, la perfusion sera plus importante que la partie ventilée et donc la CO aussi, la diffusion va aussi augmenter. Dans l'asthme fait augmenter la diffusion. Pourquoi ? Parce que, surtout quand on est en crise, parce que l'asthme, il ne faut pas oublier aussi que lors de la... donc l'asthme, quand le sujet est en exacerbation, donc il y a une importance de la négativité de la pression pleurale, si vous vous rappelez de ça, donc quand on inspire, la pression pleurale devient encore plus négative. Et une pression négative est une vraie pompe. Et donc, elle pompe tout le sang de tout le corps. Donc, tout le sang va se concentrer au niveau du thorax. C'est une sorte de vraie pompe vasculaire quand on a une pression négative intrathoracique, donc qui va augmenter, bien sûr, le retour veineux, la post-charge du ventricule droit et donner, de la même façon, une hyperémie avec une turgescence vasculaire, une exposition plus importante, vasculaire plus importante au niveau alvéolaire et donc augmenter la TLCO. Dans les hémorragies alvéolaires, c'est des barrières alvéolo-capillaires qui sont rompues et qui vont mettre directement les globules rouges au contact du CO. Donc, il y aura plus de diffusion, plus de captation de CO. Donc, la DLCO augmentera. Il y a aussi des facteurs ethniques. Donc, les sujets caucasiens diffusent mieux le CO que les sujets africains et les asiatiques. Une oxygénothérapie avant de faire le test aussi. Vous savez que le CO et l'oxygène fixent le même site au niveau de l'hémoglobine. Donc, il y a de la compétition. Si on remplit notre patient avec de l'oxygène, le CO aura du mal à se fixer, bien qu'il soit très, très affin aux molécules de l'hémoglobine. Donc, ça peut aussi donner des variations de la DLCO. Et puis, le tabac aussi. Donc, il faut d'ailleurs, une des recommandations, c'est d'arrêter le tabac 24 heures avant de faire une DLCO. Pourquoi ? Parce que le tabac est générateur de CO. Et quand on fume, quand quelqu'un fume une cigarette, donc il va coller le CO à l'hémoglobine. Et quand on fait notre manœuvre de diffusion, le CO ne va pas trouver une place. Il y a déjà un autre CO qui provient d'une cigarette de la veille, de la cigarette du matin, qui a occupé la place du CO du laboratoire. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, donc il faut tout le temps ajuster les mesures de la DLCO en fonction de l'hémoglobine, du taux d'hémoglobine. Donc, un sujet anémique ou un sujet polyglobulique va faire varier la DLCO, donc il faut l'ajuster. Et si possible, si on a la chance de trouver un appareil de gaz du sang avec la mesure de l'HBCO, ce serait bien aussi de faire un ajustement en fonction du taux de l'HBCO.
Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci, Madame la professeure, pour cet exposé de qualité, clair et très simplifié. Franchement, on a suivi jusqu'au bout. Je vais voir s'il y a des questions. Je commence, vas-y, en attendant de chercher. Voilà, merci bien pour cette excellente présentation. J'ai deux petites questions. La première, c'est quand on rate notre examen de DLCO, il faut attendre combien de temps pour refaire un autre examen? Oui. Je vous réponds tout de suite ou vous voulez plus? Oui. Ah oui, oui. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Et après, je poserai la deuxième. Attendre la série de questions. Voilà. Donc, en fait, on attend 5 minutes. 5 minutes. Parce que le taux n'est pas très important. Donc, la concentration de 0,3%, c'est pas énorme. Donc, ça partira très vite. Et autre chose, par contre, on ne peut pas multiplier les tests longtemps. Là, on risque d'intoxiquer le patient. Hein. Donc, et contrairement, donc l'ATS, par exemple, il recommande de trouver des valeurs concordantes entre plusieurs essais. En TLCO, justement, il suffit de 2 essais concordants pour arrêter le test et dire que c'est fiable et on arrête là. La deuxième question, pour le TIFNO, dans notre pratique, souvent, on choisit la meilleure valeur entre forcée et lente. Quel est votre avis? Alors, mon avis personnel. Mon avis personnel, c'est la CV max. Vous décrivez la CV max. Moi, je trouve que c'est plus logique. Mais sauf que je pense, pour des exigences techniques, il y a plus de CVF pratiqués dans le monde que de CVL, parce que les gens ne passent pas plus de temps avec les patients à mesurer la première manœuvre par une CVL. Ensuite, ils refont souffler le patient avec une manœuvre de CVF. Donc, tous les travaux, toutes les séries mentionne plus la CVF que la CVL et encore moins la CVmax. Donc là, les nouvelles recommandations précisent que la CVF est suffisante pour diagnostiquer un trouble ventilatoire obstructif. Mais moi, je préfère, et ça c'est mes convictions personnelles, je préfère justement, tout comme vous, utiliser la CVmax. Une troisième question. C'est pour les résistances. Oui. Pour l'obstruction bronchique, parfois on n'a pas de syndrome obstructif franc et on a des résistances qui sont élevées et ces mêmes résistances diminuent après le test de réversibilité. Est-ce qu'ils ont une valeur en théorie ou ça reste l'appréciation du pneumologue voilà. Parce que sur les recommandations, les résistances n'apparaissent pas pour définir une obstruction bronchique. Oui, exactement, tout à fait. En fait, les recommandations actuelles n'abordent pas du tout les résistances plétismographiques. Donc, on parle de résistances par oscillométrie, qui sont plus fiables d'ailleurs que les résistances plétismographiques parce que dans les résistances plétismographiques on fait l'allaitement et on fait la mesure autour de la CRF et quand on n'est pas très loin de la CRF, donc en fait on fait quoi? On ne fait pas des grandes ampliations thoraciques, on n'expire pas tout l'air gazeux de l'intérieur de nos poumons. Donc ce qu'on fait, c'est agiter plus ou moins la colonne de la partie proximale, de la partie des voies aériennes proximales. Donc finalement, la méthode plétismographique explore les gros trembles bronchiques. Les gros trembles bronchiques. Raison pour laquelle il ne se prononce pas beaucoup par rapport à la plétismographie, à la résistance mesurée par la plétismographie, et il favorise justement la mesure de la résistance par la méthode d'oscillométrie. Et alors, il n'y a pas de chiffres,
Donc, je vous ai montré tout à l'heure des chiffres, mais c'est des chiffres très anciens. Donc, il n'y a pas de nouvelles valeurs. Donc, il faut aussi une variation importante de 40%. Je ne sais pas si pour la réversibilité que vous avez trouvée, est-ce que vous avez atteint ces seuils de 40% ou pas. Donc, je pense que ça peut avoir un sens si on n'a pas un autre moyen de mesure d'une obstruction bronchique. Si on ne peut pas faire une manœuvre d'une courbe débit-volume chez un patient, ça peut avoir un sens. Mais sinon, il vaut mieux se fier à la courbe débit-volume qui, elle, est plus spécifique et plus sensible. Et puis, elle peut explorer les toutes petites voies aériennes, contrairement à la méthode de résistance par plétismographie. Merci. À toi la parole, Sami. D'accord, merci, Sabila. Alors, la première question entre c'est Arvind. Est-ce que la plétismo peut supplanter la spirométrie dans l'asthme? Oui. La plétismo peut faire tout ce que fait un spiromètre, mais en plus, la mesure des volumes non mobilisables. Donc, oui. Alors, dans le même sens, moi, je vais poser une question. Comment vous procédez dans votre pratique? Est-ce que vous commencez par la résistance et vous faites les courbes après et vous faites la cabine fermée, la cabine ouverte? Moi, je commence par les résistances, je ferme la cabine, je fais mes courbes et après, j'ouvre la cabine, je fais une spirométrie avec une réversibilité, la porte ouverte. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique, hein. Alors, je ne vous cache pas que je ne mesure pas les résistances. Les résistances, non, simplement parce qu'on est muni d'une machine de résistance par oscillométrie. Donc, on peut les faire pour les enfants. Donc, on peut s'affranchir de la mesure de la résistance par plétismographie. C'est exactement ce que nous faisons par rapport à l'ouverture et la fermeture de la cabine. Donc, on commence par une manœuvre de la CVL, ensuite CVF, ensuite on ferme la cabine et on fait la CPT. Et après, d'accord, on refait tout après avoir donné des bronchodilatateurs. Donc, vous commencez vous ouvrez la porte avant de la fermer. Donc, commencez par faire un examen à la porte ouverte, c'est ça? Oui, on commence l'examen par la porte ouverte. Parce que déjà, il s'habitue un peu le temps de faire la CVL, de faire la CVF. Le patient s'habitue un peu avec la chaise, avec le pneumotachographe devant lui. Et on laisse la cabine en dernier. Alors, la DLCO, c'est la dernière chose. On l'a fait après avoir fait la réversibilité. Donc, on l'a fait après la réversibilité et pas avant. Après, là, d'accord. D'accord. Ok, donc une autre question. Est-ce qu'il y a des normes pédiatriques pour l'exploration sous plétissement? Je pense que vous avez répondu à la question sur votre exploré. Oui. Alors, les GLI, c'est des équations, donc c'est des équations extraordinaires qui couvrent la population de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 92 ans, 93 ans. 93 ans. Donc, il y a un large espace, c'est-à-dire que là, on a une large population qui est couverte par ces équations de référence. Déjà, à 3 ans, il est difficile de faire respirer un petit patient dans une cabine de plétismographie. Ouais. Mais on a quand même les enfants. Comment? Est-ce qu'il y a des spécificités pour les enfants dans votre pratique? Alors, à partir de quel âge? On peut faire des EFR. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont très cortiqués, qui à l'âge de 3 ans font de vraies belles courbes débit-volume. Pour la plétismographie, c'est beaucoup plus difficile. Donc, certains demandent aux patients, aux enfants, aux parents plutôt, de se mettre avec leur enfant dans la cabine. Mais il faudrait que les parents se mettent en apnée, qu'ils ne respirent pas dans la cabine. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que c'est un examen qui est long.
et les patients ne peuvent pas se mettre en apnée, les parents ne peuvent pas se mettre en apnée pendant longtemps, pendant toute l'épreuve, ce n'est pas possible. Donc franchement, et moi, mon expérience personnelle, on n'a jamais mis un parent accompagné de son enfant dans la cabine de plétismographie. La conception est difficile. C'est pas évident, effectivement. Ouais. Alors, donc, docteur Mrepi, il pose une question. Quand on fait plusieurs mesures de CRF, l'appareil nous donne une moyenne de ces mesures et non pas la meilleure mesure. Point d'interrogation. Oui. Il ne donne pas la plus grande. Oui, donc, c'est ça. La meilleure mesure, c'est pas la moyenne. C'est la moyenne. La moyenne. C'est la moyenne. La moyenne. Voilà. Oui, la moyenne, tout à fait, exactement. Très bien. Bon, il pose la question du coût. Au Maroc, ah, utilisé, je pense si. Qu'on va te répondre. Voilà, donc en attendant de préparer une question, donc quand on fait la DLCO, on a la valeur du VR, de la capacité pulmonaire totale, et parfois on a une petite différence qui n'est pas énorme, entre l'applétismo et la DLCO. C'est vrai que la différence, c'est l'applétismo. Quelle est votre expérience et... Alors, oui, justement, il faut que ça soit différent. Pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que la méthode de mesure de la DLCO, donc au moment de l'inhalation du gaz, quand on inspire de l'hélium. Alors, l'hélium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser et accompagner le CO. Donc, on l'utilise pour tracer, pour savoir l'espace de distribution, hein, alvéolaire, où est passé le CO. Alors, sauf que quand on fait une inspiration, il y a déjà des territoires qui peuvent être piégés, fermés, et qui peuvent donc l'hélium peut ne pas pouvoir entrer dans ces espaces qui sont piégés. Donc, s'il y a de la distension thoracique, un gaz traceur mesure moins bien que la plétismographie. La plétismographie, c'est une variation de volume de tous les gaz, que ce soit des gaz fermés à l'intérieur, piégés ou pas, tout est mesuré. Mais quand il y a un gaz traceur, ce gaz traceur ne pourra pas passer dans les espaces qui sont piégés. Donc déjà, on peut expliquer la variation à partir de là. Alors sinon, ce n'est pas une mesure fiable pour la CPT. D'ailleurs, les recommandations actuelles recommandent clairement, c'était écrit noir sur blanc, de ne pas considérer la mesure de la CPT par la méthode d'apnée pour la mesure de la DLCO pour la capacité pulmonaire totale. Donc, il faudrait déjà... On va trouver que c'est légèrement inférieur, mais il faudrait que ce ne soit pas très différent. Donc, il faut qu'au moins la capacité vitale mesurée par l'hélium lors de la manœuvre de mesure de la capacité de diffusion soit aux environs à 4, au plus, au moins 85% de la capacité mesurée par la plétismographie. Donc, au moins ça. Donc, c'est normal que ce soit différent. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas si c'était clair ou... Oui, c'est ce qu'on trouve dans notre pratique. En général, du 10%, 10 à 15%. Oui, dans notre voilà, pratique. Justement. Il ne faut pas descendre en dessous. Voilà. Donc, c'est entre 10 et 15. Si c'est en dessous, ça veut dire que la diffusion, l'hélium n'est pas passé dans tous les alvéoles et donc c'est faussé. Il faut reprendre la mesure. Mais c'est normal de trouver une capacité légèrement inférieure par rapport à celle mesurée par plétismographie. À toi la parole, Samy. Une autre question de Sylvain Hia qui demande si la mesure de la DLCO, comment estimer la part de l'espace mort anatomique. Bien. Question de physiologie, ça. Oui. Alors, l'espace mort, il y a des mesures pour ça. En fait, ça dépend de la taille de la personne. Hein. Donc, on peut faire une mesure par rapport à la taille. Donc, l'ordinateur, il arrange ça, mais c'est en moyenne un espace mort anatomique, c'est 150 millilitres. Donc, nous,
quand on fait une mesure de la DSCO, on dépasse les 150 millilitres. Donc, on fait un rinçage, un wash-out de 500 à 750 millilitres. Donc, pour être sûr que tout l'espace l'espace de mort anatomique n'a pas été pris en compte lors de la mesure, il faut l'enlever, il faut le jeter. Et donc, on prend largement les 750 en couvrant largement l'espace mort anatomique. Donc, on jette les 750 millilitres, les premiers 750 millilitres, et on recueille ce qui vient juste après. C'est de l'air alvéolaire pur. Question suivante, est-ce qu'il y a des contre-indications à faire la plétismographie? Moi, je rajouterai la DSCO, la mesure de la DSCO aussi. La contre-indication de la plétismographie, c'est surtout la claustrophobie. Je pense, mais sinon, il n'y a pas vraiment de contre-indication. La DSCO aussi, il n'y a pas de contre-indication, mesure de la DSCO. Non, c'est un gaz qui est Oh, ouais. très voilà, et c'est des concentrations très très faibles. Donc, qu'est-ce qu'on donne, Ahmed? On donne de l'hélium, c'est un gaz inerte. Ben, il diffusera, il marquera l'espace alvéolaire. Il n'est pas du tout toxique. On a du CO qui est toxique, mais qui est très faiblement concentré. Et on donne de l'oxygène, donc il n'y a pas de contre-indication. D'accord. Même pour les patients à insuffisance respiratoire chronique, on peut faire facilement la DSCO, hein? Oui, on peut faire. D'accord. Alors, question suivante. Docteur Tanoun, merci beaucoup. Excellente présentation. Alors, pour la DSCO, parfois le patient, après inhalation de CO et apnée de 10 secondes, n'arrive pas à expirer jusqu'au VR. Est-ce qu'on pourra arrêter le test dès que le patient s'épuise en expirant? Vous voulez que je répète la question, peut-être, Oui, non? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, oui, c'est une de... Alors, parfois le patient, après inhalation de CO et apnée de 10 secondes, n'arrive pas à expirer jusque VR. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter le test? Et dès que le patient s'épuise. Alors, il faut qu'il expire le maximum possible. Voilà, le mieux, c'est d'arriver au VR, mais s'il dépasse le volume d'espace mort anatomique, s'il expulse le volume d'espace mort anatomique, on peut échantillonner le gaz qui vient par la suite, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'il arrête, c'est-à-dire au début de l'expiration, quoi. Parce que s'il arrête alors que l'espace mort n'est pas encore expulsé, on ne va pas pouvoir avoir des résultats fiables. Mais il n'y a pas Parfait, de c'est mal, hein, il n'y a bien. pas de mal. C'est vrai que on voudrait faire un échantillonnage sur le volume alvéolaire, c'est-à-dire le volume qui provient du poumon profond, ça c'est le mieux. Mais s'il fait une expiration incomplète, mais proche de la complète, oui, pourquoi pas. D'accord. Question par rapport à l'étalonnage quotidien. Est-ce qu'on doit faire l'étalonnage quotidien par seringue ou même aux mêmes pressions? Est-ce qu'il y a une indication à faire un test de réversibilité pour les volumes non mobilisables aussi ou simplement pour ceux mobilisables? Bien, alors pour la calibration, oui, il faut faire la calibration tous les jours et parfois même plusieurs fois par jour si on a des variations de temps. S'il fait très chaud le matin, il fait très froid le soir, et si on fait une exploration le matin alors qu'il fait chaud et le soir quand il fait froid, il faut absolument recalibrer. Absolument. Alors par rapport à la réversibilité des volumes, moi je le fais, hein. Il n'y a pas de recommandation à les faire, hein, mais moi je fais les volumes non mobilisables avant bêta 2 et après bêta 2, parce que des fois on trouve des piégeages qui se lèvent sous bêta 2, et donc il y a un intérêt aussi thérapeutique derrière. Donc moi je le fais, mais il n'y a pas de recommandation. Ça c'est le bon sens. Dans le même sens que la première question, moi je demande pour l'étalonnage, effectivement,
Parfois, on a des variations. La machine nous indique une variation importante de pression et n'arrive pas à faire la courbe, la porte fermée. Et parfois, quand il y a beaucoup d'orages, effectivement, est-ce qu'il faut attendre? On a l'impression que ça ne marche pas très parce qu'il y a beaucoup de variations de pression. Dernière question, est-ce qu'il faut laisser la porte ouverte après la fin de la consultation pour le lendemain ou la fermer? Parce que le technicien, à chaque fois, il me dit, surtout, ne fermez pas la porte. Pourquoi il me dit ça, je ne sais pas. Alors moi je vous dis pour quand il y a un orage, il ne faut pas faire de plétisme en graphie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors moi je me souviens une fois, on a notre unité d'exploration à l'étage, et donc en fait, mais j'étais très mal à l'aise parce que les résultats étaient complètement bizarres et voilà, et illogiques. Et en fait, il y avait des travaux sur l'ascenseur qui était à côté de nous, mais pas très proche. Et quand il a terminé, le monsieur, de faire ses travaux sur l'ascenseur, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je vous dis, c'est très, très, très sensible, hein. Donc, même à la calibration, je ne sais pas si vous le faites, moi, je m'amuse à montrer ça aux externes. Donc, quand on touche la paroi vitrée de la cabine, quand on touche, rien qu'en touchant, on a une petite variation de pression et c'est visible à l'œil nu. Donc c'est un appareil extrêmement sensible et il faut pas faire les manœuvres quand il y a des variations climatiques comme ça, quand il y a un orage, etc. Ce n'est pas possible. D'accord. Et pour oui, allez-y. Pour la cabine, pour Je vous la la porte. laissez ouverte ou vous la fermez? Non, on la ferme. Ah bon? On Moi, je la la ferme. laisse ouverte. Je Je ne sais pas laisse pourquoi. fermer. Et si vous voulez, quand vous faites, si tu plais, je pose une dernière question peut-être. Si vous faites la spirométrie seule, est-ce qu'il faut étalonner la cabine obligatoirement ou juste, parfois moi Non, je fais que une les, spirométrie il n'y a pas simple, il y a juste. besoin, Non, non, il n'y a pas besoin. Non, 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 il n'y a pas besoin. C'est juste juste la le plaisir. température et la pression. Tout à fait, c'est une Allez. calibration d'un spiromètre normal sans cabine. Parce que la Merci. calibration de la cabine, c'est aussi du consommable, il faut penser à ça aussi. Parce que vous avez, donc là, vous avez une petite bouteille de gaz comprimé. Et à chaque calibration, il y a du gaz qui est consommé. Donc, il ne faut pas vider. Pour rien, la bouteille de gaz, il faut penser à préserver le gaz pour des examens quand c'est utile. Si vous Sami, voulez il y dire a quelque d'autres chose, c'est questions. Adela? Il y a d'autres questions. Il y a Serdla Oui. Taïb qui pose la question, combien coûte un plétismographe en Tunisie? Et nous, on va lui dire combien coûte au Maroc. Voilà, en Alors, euros, dites. par exemple. Je croyais que c'était toi qui as posé la question, hein, parce que c'est Non, en non, euros. Hein. dites-moi vous. Non, non, c'est moi. On ne peut pas te répondre, hein. Ce n'est pas à nous Non, non, mais de. Ben, vas-y, je veux bien qu'on c'est Taïb qui pose la question. ait Nous, au le prix. Maroc, on a l'équivalent. On va parler plutôt euros, comme ça, on va. Donc, c'est sans DLCO, c'est 24 000 euros. Et avec DLCO, c'est 32 000 euros. En Tunisie, c'est. Est-ce que les chiffres que vous avez. C'est à peu près la même chose. Hein. Je pense que, alors nous, notre appareil, il commence à être vieux. Il date de 2016. Hein. Donc oui, commence à être vieux. Je pense qu'on l'a acheté à 30 000 euros. Je pense à l'équivalent de 30 000 euros. Maintenant, Et pour le gaz, dans le même sens, il élève pour que ce soit le consommable, parce que c'est cher pour c'est la cher, mesure de c'est la cher. DLCO. Est-ce que ça vaut le coup? Combien de tests faut-il faire par jour pour amortir voilà, l'achat de la DLCO? Alors pour la DLCO, si on fait deux tests et que ces deux tests, les deux tests sont bien faits, on arrêtera là. Donc il faut être économe par rapport au consommable, effectivement, mais aussi par rapport à la toxicité de gaz. Donc ça ne sert à rien de multiplier plusieurs tests de CO alors que c'est un gaz toxique. Voilà. Il y a Dr. Donc, il y a Bonifiek. aussi le gaz, vous avez sûrement, donc ça existe, le gaz de calibration en plus du CO. Donc, il y a deux bouteilles de gaz.
Voilà, il y a le docteur Ben Yahya qui pose la question, comment le logiciel arrive à mesurer l'espace mort anatomique? Alors, On a déjà, je pense, non, on n'a pas répondu à cette oui, question. on a répondu. Okay, on a, ah oui, Tu n'as pas d'accord. suivi, c'est Ah oui, d'accord, Alors, pardon. il a posé aussi une question de calibration. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je regarde. Est-ce Il y qu'il a y des a une questions qui tombent, contre-indication? oui. Il y a Oui, d'autres questions d'accord. qui arrivent, oui. Qui tombent en même temps. Alors, moi, j'ai une question par rapport à la compliance. Il y a des termes par rapport à la résistance. Alors, la différence entre résistance, compliance, élastance et élasticité. Donc, est-ce que c'est des termes qu'on trouve dans des articles? Alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Oui, avec plaisir. Alors, en fait, la résistance, c'est un terme qui est adapté aux structures tubulaires. Quand c'est un tube, donc quand c'est les branches, c'est la résistance. Donc, c'est pour mesurer l'obstruction et la facilité de flux. Donc, ça évalue un peu le débit. Et la compliance, c'est adapté aux structures qui changent de volume. Donc, c'est adapté à la compliance, donc la compliance est adaptée aux poumons, aux parenchymes, aux alvéoles. La compliance, c'est quand on parle, quand il y a une variation de volume, et la résistance, c'est quand il y a une variation de débit. Donc la résistance, c'est plus les structures tubulaires et bronchiques, donc les voies aériennes, et la compliance, c'est le poumon. L'élastance, c'est l'inverse des deux. De la On les compliance. appelle aussi, on parle d'élastance, c'est l'inverse des deux. Voilà. Et la compliance statique, c'est autre chose aussi. Ah, la compliance Non? statique, c'est ce que je viens de dire, parce qu'il y a Ah, d'accord. la compliance dynamique, Dynamique. c'est autre chose. C'est autre chose aussi. C'est absolument, D'accord. oui, c'est autre chose, c'est autre chose. D'accord. Les respirateurs des réanimateurs arrivent à nous calculer la compliance chez des malades qui ont le SRA, tout ça. Je ne sais pas quelle est la valeur de ces mesures-là. Oui, la compliance, c'est la variation de volume sur la variation de pression. Donc, avec le plétismographe aussi, on peut mesurer la compliance du poumon, ça c'est possible. Mais ça n'a pas beaucoup de valeur finalement, parce qu'il y a beaucoup, il y a d'autres mesures plus fiables, qui soient plus proches de la physiologie et qui ont un impact thérapeutique plus important. Donc, la compliance, ça peut changer avec la compliance du poumon avec l'obésité, avec la lourdeur, donc la lourdeur de la paroi, si on est obèse, par exemple. Et donc, la paroi thoracique, elle est lourde, il est difficile de la surélever, il faut une grande pression pour pousser la paroi de peu. Donc, le poumon d'un obèse est très peu compliant. Voilà. En raison de cette épaisseur de paroi et la difficulté de la mobilisation et le remplissage et le remplissage du thorax. Donc dans ce sens, oui, on peut l'utiliser dans le sens. La compliance d'un sujet emphysémateux est très compliant. Le poumon d'un poumon emphysémateux, c'est un poumon très 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 compliant. Parce qu'il se laisse distendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parce que le poumon, finalement, c'est quoi? C'est une sorte de filet, hein, de filet, des filets, des alvéoles reliés les uns aux autres. Et donc, en fait, ça permet l'ouverture et la fermeture. Et quand il y a une destruction de ces filets, donc le poumon, il se laisse distendre très facilement. Mais pour revenir aussi sa position d'équilibre, ça posera un problème. Donc, c'est un poumon très compliant. Donc, il y a des exemples comme ça, on peut en parler pendant longtemps, mais ça n'a pas beaucoup d'importance réellement en matière de suivi des patients. Donc, la compliance, on a les volumes, on a la résistance, on a les débits, on a la DLCO, on a des façons plus simples de suivre les patients. Mais le plétismographe est capable aussi de mesurer la compliance pulmonaire. Alors, il y a une question de Dr Sharaf qui demande, est-ce qu'on peut mesurer la DLCO sans faire l'applétissement? Oui. Ou c'est obligatoire de faire les deux Non, 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 pas en du même tout. temps? Non. Non, 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 pas D'accord. du tout. On peut connecter un débitmètre simple, tout simple, même avec un débitmètre à turbine. On le connecte avec un module de DLCO et il peut faire la mesure de la DLCO. C'est une technique qui se fait à l'extérieur, pas en cabine. Très bien.
Moi, j'ai une question par rapport au tabac. Donc, vous avez dit qu'il faut arrêter le tabac 24 heures avant de la Oui. DSCO. Et pour Oui. l'appliquissement, est-ce qu'il faut arrêter le tabac? Et pour la cigarette électronique aussi, est-ce qu'il faut arrêter ou pas? On a du mal parfois des patients qui ont du mal à arrêter le tabac avant les tests. Hein. Alors pour le tabac avant le test, oui, il faut arrêter le tabac avant. Même pour une spirométrie. Oui, même pour une spirométrie. Le tabac, c'est un irritant. Donc, s'il va venir avec une irritation aux branches, ça va pas aider. Sinon, pour le CO, c'est parce que le CO de la cigarette fixe les sites de CO. Et comme il y a une grande affinité, il ne se détache pas facilement. Et s'il a fait 2, 3, 4 cigarettes le matin, donc il vient, son hémoglobine sera saturée en CO. Et donc, le CO ne diffusera pas, ne trouvera pas où se fixer. Et donc, ça va donner un problème de diffusion, alors que ce n'est pas le cas. Très bien, et la cigarette électronique. Alors là, réellement, je ne sais pas. Franchement, N'y a pas là, c'est encore une de. colle. Je ne sais pas. Non, mais moi aussi, je ne sais pas, donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Ok. Est-ce que le allaitement est obligatoire avant une spirométrie? Parce que moi, je ne le fais pas, franchement. Hein. Donc, vous avez dit, il n'est pas obligatoire dans la DSCO, mais est-ce que avant une DSCO, moi, je demande aux patients de respirer normalement, hein, et ça marche. Avant la DLCO, il n'est pas nécessaire d'allaiter. Non, 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 pas la DLCO. Avant le allaitement, c'est pour mesurer le volume, la CRF, complétismographie, et c'est aussi pour mesurer la résistance. Et dans la résistance, ce n'est pas obligatoire. D'accord, non, c'est pas obligatoire. Mais On il est peut déclencher obligatoire, le. mais il est obligatoire quand on mesure les volumes non mobilisables en complétismographie. Ah oui, d'accord. Avant l'occlusion, il faut toujours allaiter, c'est ça? Oui, il faut D'accord, allaiter. Parce qu'il ne faut pas prendre beaucoup d'air. C'est ça le problème. Il faut prendre des petits. Parce que l'allaitement, il va allaiter aux alentours de la CRF. Et en fait, quand il prend beaucoup d'air, il va changer toute la mécanique de sa cage thoracique. Et donc, la compliance, entre autres, de la cage thoracique à haut volume pulmonaire, elle va changer. Donc, les variations de volume vont changer. Ça perturbe tout le calcul. Donc, il faut halter aux alentours de la CRF. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est là, je regarde un Non, peu. c'est Je bon. pense Oui. qu'on a peut-être fini toutes les questions. Je regarde. Il y a encore des questions. Non, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, Merci c'était infiniment. très enrichissant. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On a appris beaucoup de choses et on attend la suite. Et je donne le mot de la fin à notre président, Stéphane. Voilà, merci infiniment pour cette belle présentation. On a rafraîchi un petit peu les idées. On a deux webinaires sur l'exploration fonctionnelle avec professeur Bruno Degano. Ça va être du nouveau 2 et 3. Je vous rappelle qu'on a un webinaire sur la pathologie vasculaire pulmonaire le 3. Donc, ça va être le jeudi prochain, le 3 février, avec le professeur Sébastien Baumard. Ça va être des cas pratiques et des cas très, très variés concernant la pathologie vasculaire pulmonaire. Je vous rappelle aussi qu'on a nos rencontres de radiologie avec le club thorax, c'est le 18 mars, ça va être à Casa. Donc, c'est pour 2 jours. De même, on aura des ateliers sur la radio, sur le scanner thoracique, des ateliers en oncologie. On aura notre congrès annuel, c'est le 13, 14 et 15 mai. Malheureusement, on a changé la destination parce qu'il y a un petit problème de transport. Donc, ça va être à Tanger. Voilà. Et on aura des webinaires tous les mois, un à deux webinaires tous les mois.
Je remercie infiniment Madame le professeur Ben Salah. Je remercie tous les participants. Je remercie le staff technique et au prochain webinaire qui va être le 3 février. Et merci à tous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.